Madame l'artillette Lamia, bonjour. Bonjour. Alors, l'eau, une denrée très précieuse, il a beaucoup plu ces dernières semaines. On a tendance à penser que les quantités mobilisées sont suffisantes, or que ce n'est pas le cas. Madame l'artillette, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Effectivement, ce n'est pas le cas. Tout simplement, comme vous le savez, cela fait 3 années qu'on commence à sentir le décalage des précipitations par région, entre la région de l'Ouest jusqu'à la région du Centre. Et ces dernières précipitations, bien sûr, cette année, on a eu des précipitations assez importantes pour ces deux régions-là. Et on ne peut pas se prononcer maintenant parce qu'il y a des barrages qui ont été vraiment à sec, au-dessous de 30% et même de 10%. Donc il faut laisser le temps pour que les écoulements arrivent à ces barrages-là. Et ces dernières précipitations aussi, je tiens à signaler que c'était au niveau des bassins versants côtiers. Donc les bassins versants côtiers, vous savez bien que l'eau, l'écoulement va directement, gravitairement vers la mer. Donc on a eu en mois de novembre et décembre des précipitations pluviales au niveau des bassins de l'intérieur du pays, même de la neige. Qu'on espère, parce que pour qu'ils arrivent au barrage, au bassin des barrages pour la mobilisation, donc il faut attendre une semaine, même à un mois, pour qu'ils arrivent, parce que l'écoulement, comme vous savez, tout ce qui était écoulement, ouais, tout était asséché, donc la nature, d'abord, qu'elle prend sa part, la nature, pour qu'il y aura un excédent vers les barrages. Mais on est optimiste cette année par rapport à l'année passée. Alors, le taux de remplissage du bassin a atteint aujourd'hui les 37%. Quel est le niveau qu'il faut atteindre pour être rassuré, au moins pour un, voire 2 ans, même si 2 ans, ce n'est pas très important? Oui, pour la moyenne là de 37%, c'est la moyenne des 75 barrages à l'échelle nationale. Et ces 75%, c'est pas, on peut dire, par région. Je cite maintenant, on est arrivé à 23% pour la région de l'Ouest et presque 24% pour le Chilif. Le Centre, 16%, parce qu'on était en mois de septembre à 7%. Quand même, on a reçu des quantités importantes au niveau de la région Centre au mois de novembre. Et pour l'Est, on est un petit peu à l'aise. Donc, pour dire à l'aise à l'échelle nationale, donc ça dépend des régions. Ce n'est pas tous les barrages qui ont reçu, pour le moment, comme je disais tout à l'heure, les pluies, les précipitations de ces 2 derniers mois étaient disparates. Donc, dans la même région, on a constaté dans le même bassin versant d'un barrage, à l'ouest, il y a il a reçu moins, et l'autre à l'est de le même bassin, il a reçu plus, je cite le cas du Chilif. Donc même du Centre, le Chilif et le Centre, donc le Centre du nord du pays, l'Est, il a eu un déficit de moins 7% en comparaison par rapport à l'année passée, et plus de 44% pour le Centre ouest. Mais quelle est la quantité nécessaire pour être rassuré au moins pour 2 ans, même si je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 ans c'est pas quand même très important, oui, en termes de ressources hydriques? Donc pour la quantité, maintenant vous savez que la capacité de stockage actuelle, elle est à 7 milliards. Donc 7 milliards pour arriver à 37%, il faut au moins minimum une année hydrologique qui commence du mois de septembre jusqu'au mois d'août, soit une année normale, humide, comme dire, c'est l'année où il y a les précipitations. Donc, on peut être à l'aise si on arrive à 50% une moyenne jusqu'au mois d'août pour l'année 2022, et tout en moyennant bien sûr certaines restrictions, parce qu'il faut reconstituer le stockage. Vous savez que maintenant il y a les entrées vers les barrages, il y a les apports, mais on a des sorties vers la consommation, l'alimentation potable et beaucoup plus l'irrigation. Donc l'irrigation pluviale qui a l'habitude d'avoir son quota à partir des précipitations pendant la période de septembre jusqu'au mois d'avril, donc quand il n'y a pas de précipitations, donc on fait appel aux ressources qui sont déjà mobilisées,
que ce soit superficiel ou souterrain. Donc, c'est-à-dire, en termes clairs, les restrictions vont demeurer même si on aura une année hydrologique relativement confortable. Tout à fait. Pour certaines régions, pour certaines wilayas, il faut qu'on reste sur la restriction. Pourquoi ? Pour reconstituer les réserves, que ce soit souterrain ou superficiel. Pour préparer l'année d'après. Nous sommes dans l'incertitude avec les dérèglements climatiques, qu'il y ait d'autres précipitations. Ce qui a fait et ce qui nous a fait défaut ces trois dernières années, parce qu'on disait on avait une période, des périodes cycliques de sécheresse, qui avant c'était 10 ans, après 5 ans, elles se sont raccourcies et éparpillées par et même par saison. C'était des pluies entre novembre, décembre, puis après on a eu des pluies mai, mars, avril, mai, si vous vous rappelez. En 2017 et 2018. Donc le dérèglement climatique, maintenant, on est dans l'incertitude. Il faut qu'on reconstitue nos réserves et que tout le monde soit conscient que nous sommes dans un pays aride, parmi les pays du Maghreb et de la région du Moyen-Orient. Donc la région de la Mena, le bassin méditerranéen sud, il est confronté à la sécheresse. D'ailleurs, ils sont dans les études internationales. Les dernières études, on sera vraiment touché par la sécheresse. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, Madame Itihet, à l'avenir, dans toutes les stratégies que vous allez élaborer, il faut tenir compte impérativement des nouveaux paramètres, à savoir les changements climatiques et les dérèglements climatiques, et aussi que nous sommes un pays, pas semi-aride, mais aride, plutôt aride, puisqu'il pleut de moins en moins. Tout à fait, dans la stratégie des ressources en eau de 2030 jusqu'à 2030, parce qu'on a eu des stratégies et à chaque fois on ajuste. Donc il y a un ajustement par rapport aux autres stratégies auparavant. Donc c'est toujours le même concept, mais maintenant on n'est plus sur la ressource pérenne. Donc pour un petit peu aussi réserver, comme je disais tout à l'heure, les eaux pour les générations futures, là, pour les futurs. Et là, on est sur le développement beaucoup plus des ressources non conventionnelles qui sont le dessalement, la réutilisation des eaux épurées et même la recherche artificielle des nappes. Alors, pour gérer cette situation de stress hydrique que nous avons bien sûr connue ces deux dernières années, assimilée pratiquement à de la sécheresse par les professionnels du secteur, le président de la République a instruit le gouvernement, en premier le secteur de l'eau, pour tout déployer, pour assurer bien sûr l'eau aux consommateurs. C'est important. Il y a eu un plan d'urgence qui a été adopté pendant bien sûr tout l'été, avec toutes les restrictions que nous avons connues. Il y a eu aussi le recours au forage, c'est-à-dire les eaux souterraines, qui ont été d'un grand apport, même si certains spécialistes en hydrogéologie recommandent d'éviter leur surexploitation. Est-ce qu'on peut considérer, en tenant compte de ce que vous avez déclaré, qu'aujourd'hui, avec ce dérèglement climatique, nous sommes quasiment aujourd'hui un pays aride et non plus un pays semi-aride, le dessalement pour le Nord est incontournable, les eaux non conventionnelles, il faut y recourir. Certains pays vivent qu'avec ça. Tout à fait. L'Arabie Saoudite. Tout à fait, vous... qu'on a tracé depuis les premières pénuries d'eau en 2002. Donc, c'est pour revenir un petit peu en arrière. Donc, le dessalement. Avec la construction des premières stations. Les premières stations de dessalement, de capacité variant de 100 000 jusqu'à 500 000, celle de Rouen. Et là, c'était un programme qui n'a pas été concrétisé en totalité, parce qu'on a eu quand même d'autres projets en parallèle, des transferts, transfert des eaux entre les barrages, les interconnexions, l'installation des systèmes d'interconnexion pour la solidarité dans l'eau, partage entre les bassins versants, entre wilayas, donc pour un petit peu manœuvrer ça, et ne pas vivre la crise d'eau des années 2000. Et là, la dernière station a été achevée en 2016, celle de Martin, et on a tracé en 2016, donc en 2017, on a relancé et on a insisté sur deux autres stations dessalement, une à l'est et une à l'ouest. Donc cette station, bon, il y a eu une infructuosité parce qu'on voulait changer le mode de financement, c'est des investissements avec des prêts bancaires et tout, et avec un transfert de savoir-faire. Donc on voulait changer le mode pour avoir une technologie qui se développe rapidement au niveau du pays.
Et donc il y a eu l'infructuosité en 2019 et puis en 2000, comme vous savez bien, avec la crise sanitaire, pas uniquement le décembre, on a eu des retards quand même dans certains projets structurants et même des projets de forage. Et on est revenu avec la sécheresse qui a perduré jusqu'à de 2020 à 2021. Donc Monsieur le Président de la République, lors d'un conseil ministériel du 25 juillet 2021, donc il a donné l'instruction même d'augmenter les capacités, parce que nous on n'a pas affiché ces capacités au début, c'était 300 000, entre 200 000 et 300 000. Donc on a eu quand même l'accord de réaliser d'autres stations et arriver au moins à 60% d'eau de dessalement, à partir du dessalement pour l'alimentation non potable. C'est-à-dire inverser la tendance. Exactement. Réaffecter la ressource superficielle des barrages pour l'agriculture. Parce que là, il faut aussi accompagner le développement économique du pays, l'industrie et l'agriculture. Donc, on doit mettre quand même un quota, une réserve d'eau pour accompagner tout ce qui est développement économique. Mais pour atteindre cet objectif, c'est-à-dire inverser la tendance, exploiter 50% voire 60% des eaux de dessalement dans la consommation et ne plus recourir bien sûr aux eaux souterraines, puisque c'est le grand apport, c'est les eaux souterraines ajoutées aux eaux de barrage. Est-ce qu'il faudrait réaliser d'autres stations de dessalement beaucoup plus importantes que celles que nous avons actuellement de 100 000 mètres cubes et 500 000 mètres cubes? Exactement. Donc, celle de l'Ouest, 500 000. Donc je reviens au programme de projet de dessalement d'eau de mer. Donc ça va être progressivement. Comme vous le savez, c'est des grandes stations, donc ça demande du temps. On va faire des grandes stations. Des grandes stations de capacité 300 000 chacune. Donc on aura sur le programme de 2022-2024 5 stations que nous avons classées prioritaires au nord du pays. Et que la stratégie maintenant, ce n'est pas uniquement les villes côtières. Ça sera même les wilayas, les quelques communes des wilayas qui sont à l'intérieur du pays sur une profondeur de 150 mètres, donc via les systèmes que nous avons installés de transfert interbarrage. Donc ça dépend de la localité et les besoins qui vont être affectés. Donc on arrivera à 42% en 2024. Mais je tiens à signaler que aussi on a un programme de trois stations de 150 000 mètres cubes jour pour arriver à 23%, 42%. Et on aura d'autres stations, 6 autres stations, de 2025 à 2030 pour atteindre les 60%. Mais quand vous parlez un peu des grandes stations de dessalement qui vont être réalisées, à savoir les 300 000 mètres cubes à horizon 2022 et 2024, vous parlez de 5 stations importantes. Lesquelles? Lesquelles? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu ces derniers temps le stress qui a commencé de l'ouest toujours et au centre. Donc, on aura la première à Oran. Donc, ça sera à Oran pour renforcer, parce que Oran, elle s'alimente à partir des eaux supérieures des autres wilayas sur le système en haut, c'est d'autres systèmes. Donc, il faut renforcer. Donc, c'est la Oran et pas uniquement Oran. Donc, il y aura d'autres wilayas qui vont se greffer, le dessalement qui va se greffer dans le système, Rulizen, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tiaret. Donc, et Ain Timouchent indirectement, parce qu'Oran s'alimente à partir du dessalement de Ain Timouchent. Et après, on aura une station à Alger Ouest. Alger Ouest, c'est donc pour renforcer Alger Ouest. Et on aura une deuxième pour Alger aussi, Alger Est. Alger Est. Donc, on aura 600 000 pour Alger. 600 000, mis à part Hamad de 200 000, et la quatrième à Béjaïa, et de 300 000 toujours, et à Taraf. Taraf aussi, c'est le même système que Alger et Oran, même Béjaïa. On aura d'autres wilayas pour alimenter à Taraf. Elle sera à Taraf, mais beaucoup plus à Annaba, parce que Annaba s'alimente beaucoup plus des eaux superficielles de Taraf, Guelma et même Skikda.
Alors, Madame Lamia Lertiet, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qu'on a abordés, bien sûr, dans la première partie de l'invité de la réinteraction, conformément, bien sûr, aux orientations et directives du président de la République adoptées en août dernier, au 25 juillet dernier. C'est la réalisation à travers le territoire des stations de dessalement qui sont devenues quasiment aujourd'hui incontournables pour assurer l'alimentation de l'eau de la population et aussi l'irrigation, c'est-à-dire l'agriculture. Vous avez parlé de 5 stations qui vont être réalisées à Alger. 2 stations, une à est, une à l'ouest, en plus de celle d'El Hamma, une station à Béjaïa qui va bien sûr alimenter toute la région, aura également toute la région, et vous avez celle de Taraf qui va aussi alimenter toute la région. Ces projets sont en cours de réalisation ou ils vont l'être prochainement? Pour les stations, les 5? Pour les 5 stations, bien sûr, le lancement des travaux il est en cours, donc c'est imminent. Seulement, je voulais ajouter que les stations de dessalement, donc c'est à la charge du ministère de l'énergie via l'agence de l'énergie qui est chargée de suivre le programme de réalisation des grandes stations de dessalement. Le secteur des ressources humaines et de la sécurité hydrique, il est à sa charge la réalisation de tout ce qui est raccordement aval. Donc, pour le programme des stations de dessalement de l'Algérienne Energy Company qui est à sa charge, donc ils sont au lancement des appels d'offres des deux premières stations d'Alger Ouest et de Paris parce qu'elles étaient infructueuses, donc c'est prêt. Pour les 3 autres stations, donc il y a le choix du site qui a été effectué déjà, on a réalisé le choix du site, c'est important. Pour préparer un cahier de charge. Donc, ils sont en cours de préparer le cahier de charge pour après lancer les appels d'offres. Quant à moi, je veux maintenant m'étaler sur le projet qui est à la charge des ressources en eau. Donc, on a tout ce qui est raccordement aval. Comme avant, on a commencé nous en 2018 les études pour Alger Ouest et la Taraf. Donc, les études sont achevées. On va lancer en travaux. Donc c'est imminent, ça c'est dans quelques semaines, dans quelques jours, quelques semaines. Celui de Alger Ouest, donc la première tranche de la station de dessalement prévue pour Alger Ouest, qui est le site situé à Fouka Marine, vers le complexe Sahel algérois. Et pour Taraf aussi, la même chose, la première tranche des travaux du site prévu à Drarish, au niveau de Taraf, jusqu'à réservoir Berrich à Annaba. Donc ces travaux vont se lancer. Donc comme vous savez, les transferts, ça prend beaucoup plus de temps que la réalisation des stations. Une station de capacité de 300 000 peut arriver jusqu'à 30 mois. Par contre, le transfert avec l'expropriation, les oppositions sur terrain, donc ça prend beaucoup de temps. Donc on a commencé bien avant. Par contre, pour les 3 autres études, pour le raccordement aval, comme le choix de site vient de se faire, nous avons lancé les études des 3 stations. Donc une fois l'étude est finalisée, on va lancer les travaux. Mais ça sera des travaux qui vont se lancer en parallèle. Les capacités globales, bien sûr, de ces stations qui vont rentrer en production à horizon 2022 et 2024, c'est l'équivalent de 1500 mètres cubes, puisque vous avez parlé de 300 mètres cubes pour 300 000 mètres cubes pour chacune des stations. Donc il y aura 1500 mètres cubes pour toutes les stations. Est-ce qu'on peut considérer qu'au niveau... Un million 500 000. Parce qu'actuellement, voilà. on a 17... Je me suis embourbée avec les chiffres. Oui, nous on a l'habitude. Donc, il y a les stations actuelles, on a 2 111, on peut dire, mètres cubes jour, qui contribuent à 17%. Donc, avant d'arriver à ce chiffre-là, on a lancé un programme quand même d'urgence pour la rénovation et extension des stations monoblocs d'Alger, je cite le cas d'Alger Ouest cette année, parce qu'auparavant, on a lancé les autres stations qui sont situées au niveau des d'autres wilayas. Leur rénovation, parce que c'est des stations qui méritent d'être rénovées quand on dépasse 15 ans, donc on rentrait dans le système de rénovation des équipements, surtout les équipements cœur d'un système de dessalement, comme les filtres et les membranes. Et là,
pour Alger, on a quatre stations. Quatre stations qui ont été rénovées. Donc, on a celle de Palm Beach et celle de Zeral Dayan Bin Yam, rénovée et extension. Elle était 5 000, donc on est arrivé à 10 000 chacune. Et en fin décembre, on aura celle de Bousmeri. Plus pour Alger Est, le temps d'avoir les grandes stations, parce que Alger Est, il dépend aussi beaucoup plus des barrages de transfert Park Sept et de Kudgara. Donc on a prévu dans le programme d'urgence trois autres stations, une à Boujerkifin, une à Al-Marsa et l'autre à Corso, pour renforcer, pour apporter 150 000 mètres cubes jour, le temps d'avoir, pour un petit peu renforcer et sécuriser, le temps d'avoir la grande station de 300 000 entre 2023 et 2022 et 2023. Oui, mais avec ces capacités globales qui vont augmenter graduellement en 2022-2024 avec la réalisation de ces 5 méga stations de dessalement à travers bien sûr les 5 wilayas, Alger, Béjaïa, Oran, Tarf et oui. Également Alger avec deux stations, avec une capacité de 1 500 000, voyez, cette fois-ci je ne me trompe pas, de mètres cubes. Est-ce que ces wilayas seront un peu sécurisées, bien sûr, avec tous les raccordements qui seront réalisés, parce que par ricochet, d'autres wilayas vont en profiter oui, également. Oui, tout à fait. Donc, y a un programme, aussi dans le programme toujours, c'est un programme de forage. Donc, il y a la réhabilitation et même les rénovations d'équipements de certains anciens forages. Et certains forages qui étaient mis en veille quand on a apporté les stations de dessalement, les premières, donc elles sont encore réactivées, donc elles sont mises en exploitation, en service. Et réalisation d'autres forages sur tout le territoire national, je le dirais, mais pour l'équivalent de 500, plus de 500 forages, dont on a 135, 113 et 100 et d'autres forages, une centaine dans la Géroa. Donc, les autres transferts, raccordements, interconnexions. Ces wilayas sont sécurisées en matière de consommation. Sécurisées en matière de consommation, partiellement dans certaines régions. On ne vous cache pas, donc même les barrages, je le disais tout à l'heure, donc on transfère le minimum, on essaie d'équilibrer dans le concept de solidarité. Donc donner l'eau à tout le monde, à toutes les wilayas, dans une même région, on essaie d'équilibrer entre les barrages, entre la consommation d'eau et aussi entre l'irrigation, qui consomme beaucoup, qui consomme plus de 65%. Alors, pour les raccordements qui seront réalisés, c'est à la charge du département du ministère de l'eau, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces raccordements qui vont être réalisés, puisque vous avez commencé déjà à mettre en place ce projet en cours, c'est extrêmement coûteux, ça va coûter cher? Oui. C'est une enveloppe nécessaire à deux. C'est une enveloppe nécessaire. D'ailleurs, quand il a décidé, M. le Président, sur ces stations, donc... il savait que c'est une enveloppe importante, mais là, constitutionnellement, il faut donner l'eau. L'eau, c'est un droit. L'accès à l'eau, l'accès à l'eau est constitutionnalisé. Voilà. Et donc, c'est un droit. Un droit, donc... on doit l'assurer. Il faut mettre le paquet, soit on donne de l'eau, et puis il n'y a pas d'eau, il y a d'autres dépenses, surtout les dépenses par rapport... on dirait que l'agriculture, on reste toujours à l'importation, donc c'est de l'eau importée virtuelle, une eau virtuelle importée via les denrées alimentaires qui coûte cher, hein, et importée en coût de devise et subventionnée. Alors, au niveau de votre département ministériel, on parle d'une enveloppe pour les transferts, hein, parce que la station oui. Et les stations seront réalisées par Sonatrach et le ministère de l'Énergie. On parle d'une enveloppe pour les raccordements que vous avez cités au début de cette émission, dans la première partie, l'équivalent de 400 milliards de dinars. Oui, ça dépasse les 400 entre études et travaux. Ça dépasse les 400 milliards de dinars entre les études et les travaux. Jusqu'à 2030, hein. Donc c'est le programme jusqu'à 2030. Les eaux épurées aujourd'hui peuvent être aussi d'un autre apport. Oui, bien sûr, les eaux épurées, c'est une ressource aussi pérenne qui se réutilise. Elle est réutilisée indirectement. On peut dire qu'elle est réutilisée indirectement via les écoulements, enfin les oueds, les rejets dans les oueds qui est intercepté par les barrages.
mais on veut une réutilisation, surtout pour l'agriculture qui consomme beaucoup. Donc on a pensé. Elle consomme l'équivalent de 7 milliards de mètres cubes, et l'AOP, c'est-à-dire le consommateur, c'est 3 milliards de mètres cubes, c'est-à-dire que l'agriculture consomme deux fois la consommation des ménages. Oui, tout à fait. Donc on a 3,6 milliards de mètres cubes en pour l'AEP et l'industrie. Et on a plus de 7 milliards de mètres cubes en pour l'agriculture, pratiquement 65%, dont je dirais plus de 80% provient des eaux souterraines pour l'agriculture. Parce que là, on a les grands périmètres, d'irrigation via les barrages, c'est 8%. Et à partir des cours d'eau, c'est 7%. Par contre, l'alimentation en eau potable, 50% des eaux souterraines. Donc si on va concrétiser tout le programme, on va reconstituer toutes les réserves qui vont, les 50% des eaux souterraines, donc on va soulager le soutirage des eaux souterraines, et on va inverser, donc ça sera 60% à partir des eaux dessalées, et 20% à part égale des eaux superficielles et souterraines. Pour l'agriculture, on viendra bien sûr renforcer, parce que dessalement pour l'AOP, on renforce par la réutilisation des eaux épurées, plus l'installation de systèmes économes d'eau pour l'irrigation. Il faut rationaliser la consommation d'eau. Et là, la réutilisation des eaux épurées, on a un parc de stations d'épuration. Actuellement, il y a 200 stations d'épuration. On a près de 500 millions de mètres cubes d'eau qui ne dépendent pas du climat. Et c'est une production qui évolue dans le temps. Et là, elle a un apport important pour, malgré que c'est un pourcentage qui n'est pas, parce que 60%, on ne peut pas les substituer par les eaux usées et épurées, mais quand même, on fait une économie d'eau. On fait une économie d'eau et essayer de minimiser le soutirage des eaux souterraines. Alors, pour l'agriculture, il va falloir aussi trouver d'autres moyens. Pour l'irrigation, par exemple, les eaux épurées, c'est important aujourd'hui de recycler l'eau et de la réutiliser dans l'agriculture, comme cela se fait dans tous les pays du monde qui ont des problèmes, bien sûr, de stress hydrique. Oui, tout à fait. Donc, la réutilisation. C'est rationalisation. Rationalisation. On parle de rationaliser l'énergie, ça doit être aussi valable. Exactement. Pour le secteur de l'hydraulique. De l'hydraulique. Donc, ça rentre dans la stratégie de l'économie de l'eau. Et de la sécurisation en même temps. Donc on sécurise avec des ressources pérennes, mais quand on utilise les ressources pérennes, on économise l'eau douce. Donc on n'utilise plus les eaux souterraines et superficielles comme avant. La réutilisation, pas uniquement pour l'agriculture, il y a aussi le recyclage au niveau des industries. Parce qu'il y a certaines industries, les grandes industries, à 80% de l'eau qu'ils consomment, c'est pour le refroidissement. Donc ça aussi il faut c'est la fin. Comme c'est le cas pour le Hadjar. Et on a d'autres projets comme le projet minier pour extraire tout ce qui est minier. L'extraction, ça demande beaucoup d'eau, comme les champs pétroliers. Donc là, il faut qu'on installe dans notre stratégie, on veut que tout le monde participe, pas uniquement le citoyen, mais aussi l'industriel, l'agriculture, les administrations. Comme on a fait la stratégie développée pour l'efficacité énergétique et la transition énergétique, elle doit être accompagnée aussi par l'économie de l'eau. Alors vous avez cette question de l'auditeur aujourd'hui, quand on parle de rationalisation de la consommation de l'eau, pourquoi ne pas envisager par exemple des constructions à l'avenir qui permettent aussi de capter l'eau ou pour éviter qu'elle ne parte vers la mer? Par exemple, sur des habitations, mettre en place des mécanismes qui permettent la récupération des eaux pluviales et qui vont vers les vaches d'eau. Oui, pour les ménages. Sûr. Oui, pour les ménages. Bon, c'est des techniques alternatives des eaux pluviales. Donc le captage des eaux pluviales. Chaque goutte, oui. Dans notre pays. Tout à fait. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que tous les secteurs participent. C'est le secteur de l'habitat. Donc on a le captage des eaux, les eaux grises à l'intérieur, parce que quand on donne aux citoyens de l'eau potable au robinet, il y a l'eau qui part dans la chasse d'eau. Là, c'est... On peut recycler aussi les eaux pour les ménages. Donc, c'est des bâtiments intelligents qui devaient se construire en matière d'efficacité énergétique, en matière aussi d'économie de l'eau, et même
pour l'économie verte. Donc, maintenant, on a tendance pour développer les espaces verts, donc réutiliser aussi l'eau au sein d'une ville. Alors, vous avez parlé bien sûr des stations de dessalement au niveau des villes côtières. Qu'en est-il de l'intérieur du pays? Comment on va faire pour assurer l'alimentation de l'eau de façon équitable? Parce que maintenant, on est tenu d'être équitable conformément à la Constitution. Puisqu'on a vu aujourd'hui, même le gouvernement qui s'est déployé au niveau de la wilaya de Rajla a accordé une enveloppe conséquente pour l'eau au niveau de cette wilaya. Oui, pour le dessalement, donc ça sera toutes les, pratiquement les wilayas côtières, les 14, on aura 19 wilayas concernées. Donc les 14, on aura les 19, donc il y aura d'autres wilayas de l'intérieur du pays. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a certaines wilayas, les grands pôles, sont alimentés à partir des barrages de certaines wilayas de l'intérieur des plateaux. Quand on arrive à 150 mètres, donc il y a un transfert en... rendre, c'est-à-dire à cette région, l'eau qui a été qui a alimenté les zones côtières. Mais quand vous parlez par exemple des transferts, les transferts, vous allez verser carrément dans le système AOP ou alors vous allez alimenter avec ces eaux de dessalement aussi certains barrages? Pour le transfert, donc ça, comment ça va être? Les raccordements à partir d'une station de dessalement, donc on va les greffer sur les systèmes existants de grands transferts, des systèmes de transfert comme le système AO, le système TACSER+. Donc ils vont se greffer sur ces systèmes-là. Donc ça va... aller vers l'AOP. Vers l'AOP. Donc je peux citer que pour l'Algérois, ça va dépasser les 70%. Blida, elle aura son quota de dessalement à 55%, quelque chose comme ça. Pour l'Oranie, la même chose, on arrivera à plus de 80%, entre 70-80%, et l'intérieur entre 40 et 20%. Et là, une région, elle est sécurisée pratiquement avec le dessalement, une autre région, elle est renforcée. Et puis plus on ira vers les hauts plateaux, et même vers le nord, du sud et un peu plus bas, on a la déminéralisation des eaux saumâtres. Donc il y a des eaux qui sont géologiquement parlant de qualité saumâtre. Donc le dessalement, pas uniquement de l'eau de mer, ça sera aussi le dessalement des eaux saumâtres. Donc ça sera aussi une part de renforcer l'alimentation en eau potable par déminéralisation des eaux saumâtres. Et on a aussi un programme. Alors vous avez cette autre question rapidement, Madame Etihad, sur la question de l'auditeur. Comment fonctionnent aujourd'hui les usines de dessalement et quel sera leur impact sur l'environnement marin? Est-ce qu'on prend en considération dans les études tous ces aspects liés à l'environnement? Oui, donc je vais parler à la personne du secteur de l'énergie, mais comme je suis dans le comité de l'énergie, on a mais vous veillez sur la protection oui, on a insisté, des nappes. Bien sûr, on a insisté sur la protection de la ressource, et même la ressource halieutique. Donc les anciens systèmes, c'était des systèmes effectivement qui deviennent actuellement obsolètes, parce que la technologie elle se développe de jour en jour. Donc il y a l'aspect qui a été pris en charge par la diffusion des eaux saumâtres en mer et aussi l'efficacité énergétique au niveau des stations par récupération de la chaleur en transformant en énergie. Donc vous avez pris ces questions liées à l'environnement dans le comité interministériel. Oui, mais actuellement pour les futurs, on veut développer des nouvelles technologies avec une industrie propre, c'est-à-dire minimiser l'effet de serre, le dégagement de la chaleur et le CO2, et en même temps aussi essayer de valoriser les saumures qui vont vers la mer. Alors, autre question, la dernière de l'auditeur. Est-ce que vous prenez aussi en considération aujourd'hui l'entretien de ces stations de dessalement? On a vu la dernière fois, il y a eu l'arrêt technique de la station d'Alhama. Il y a eu perturbation en alimentation de l'eau parce qu'il y avait de la houle. La mer était un peu agitée, elle a un peu charrié beaucoup de déchets, donc ça a bloqué un peu la station. Est-ce que vous prenez en considération aussi ces aspects techniques et est-ce qu'ils seront aussi pour cette partie assurée à l'avenir par des entreprises algériennes, des Algériens, dans la sous-traitance par exemple? Oui, tout à fait, c'est la stratégie politique du gouvernement, des décideurs, donc... pour les premières stations de l'Algérie Est, des 150 000, déjà, c'est des entreprises nationales, avec bien sûr accompagnées avec l'équipe des entreprises qui équipent ces stations, en membrane et autres, donc les installations étrangères, comme on a fait pour les autres stations, les équipements pratiquement, ça vient en importation. Et là, c'est la vision et la stratégie par l'intégration nationale et essayer d'avoir
Des sous-traitants algériens. Des sous-traitants algériens. Et même avec des pièces de rechange qui coûtent très cher, pour, parce que c'est le coût de revient, ça impacte le coût de revient de mètre cube d'eau dessalée. Et c'est la question qu'il faut aujourd'hui poser, est-ce que l'eau va rester au même prix? Ça relève du gouvernement. Oui, ça, non pas tout à fait, c'est par rapport à l'installation. Donc la technologie elle est compétitive, elle est devenue compétitive et on a les coûts qui ont baissé à l'échelle internationale. Madame Lamia Lehtihet, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et pour votre santé et votre sécurité, portez vos masques. Merci. Bonne journée. Au revoir, madame. Merci, je vous remercie.